وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Ou bien par l'âme et ce qu'Allah il a mis en elle. Cette âme aussi est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus caché, plus imperceptible que l'âme. Et pourtant, elle est rapide, il y a des sentiments qui sont attachés à elle, le souci, la joie, la peine, toutes ces choses-là, qu'Allah tabaraka ta'ala, il a lié à l'âme. Cette âme qui est imperceptible, tu l'enlèves du corps, ce corps, il est plus vivant. Il n'a plus de vie en lui. Ça aussi, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'être humain, il est fait de chair et d'âme. Qu'est-ce que c'est cette âme? Comment Allah ta'ala il l'a faite? Il n'y a personne qui connaît la réalité de son essence, comment elle est. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans l'être humain et il lui a donné vie. Et combien de sentiments et combien de réactions sont attachées à cette âme-là? Personne ne peut cerner la réalité de l'âme, même bien la comprendre. Les koufars, là, les psychologues, les je ne sais quoi, ils ont essayé de faire toutes des études. Hein? L'être humain, c'est complexe, c'est je ne sais quoi, ses rêves, ses ambitions. Et à la fin, ils ont raconté que des bêtises. Parce qu'ils ne sont pas éclairés par la lumière du Coran. Donc, ils ont dit des contradictions, des choses même qui sont graves. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.